Parce que je pense que ça a été avec les belles voitures qu'on a vues tout à l'heure et tout le travail qui est réalisé, un moment important pour vous. Voilà, remercier les organisateurs parce que je pense que c'est du gros travail encore une fois de fond parce qu'on a travaillé depuis très longtemps sur l'organisation de cette manifestation. On va avoir eu le beau temps parce que ça c'est primordial d'après ce que j'ai compris après quelques années que vous avez vécu avec la pluie. Voilà, je n'oublierai pas de remercier notre directeur Sébastien qui a fait un gros travail parce qu'il s'est investi. Oui, avance un petit peu. Une Golf 3 posée sur des Cayennes. Il va venir nous dire un petit mot, je pense, s'il veut bien. Je sais pas. Tu veux choisir ton trophée d'abord ? Tant qu'il y a le choix, vas-y, choisis la couleur. Alors, le véhicule suivant, dans un style complètement différent. Voilà. On va essayer de sortir un peu court. Un peu dans toutes les marques et un peu voilà, dans tous les styles. Voilà, un super véhicule aussi. Voilà, si tu veux choisir ton top 10. On va arriver donc le sirocco vert. Si vous pouvez laisser un petit peu de place à l'Opel pour qu'elle puisse sortir. Si tu veux aller choisir un top qui a plusieurs couleurs, et je crois que le vert a déjà été pris. Parmi les trophées à droite là du top 10. Le prochain véhicule, donc une Golf 5 R32. Voilà, vous pouvez l'applaudir. On est déjà passé, on va se porter aussi. Bon, vous pouvez l'applaudir, hein. Bravo. Le Golf de VR6. Tu veux nous faire entendre que c'est bien un VR6? Tout petit peu. Entendu le 6 cylindres? Enfin, tu l'as vu, ouais, toi? C'est bon ce bruit, hein? Voilà, ça fait un peu de bruit un VR6. La BM de Didier. Voilà, si tu veux choisir. Chantez. On va le souhaiter, t'inquiète pas. Troubadour. Joyeux anniversaire. Oh là là. Joyeux anniversaire. On l'a pas fait exprès. Bravo. Ah, il y a eu un garçon. Bravo à toi. Tu vas aller choisir au top. Faire une petite photo. Et après, parler au micro. Ouais. Voilà, soyez prudents parce que vous avez de la route, mais pour finir, c'est la porte à côté. Il y a d'autres anniversaires? Mais non.
si tu veux bien aller choisir ton top. Donc, moi je viens de Brive, c'est une voiture que j'ai achetée il y a 5 ans, quasiment d'origine avec l'intérieur, qui était comme ça. Et petit à petit, je vais modifier, changer la face avant. Et si je ne me trompe pas, ça doit être le dernier du top 10, donc juste avant qu'on remette les coups de cœur et le best of show. C'est Sébastien qui a choisi, donc qui est le directeur de l'établissement. Et du coup, il a choisi le caddie gris de David. Voilà, donc s'il veut bien aller chercher son véhicule, rentrez bien les amis. Donc le premier coup de cœur, donc le coup de cœur du château, c'est le caddie gris de David. Voilà, c'est le coup de cœur de Sébastien. J'aime beaucoup les véhicules anciens, voilà. Donc du coup, les amis, moi je prends le ticket. Je ne connais pas beaucoup Sébastien, mais je pense qu'il aime bien les véhicules un peu atypiques. Puisque Sébastien, c'est lui qui a le véhicule, le Can-Am qui était juste sur l'entrée. Voilà David, donc tu es le coup de cœur du château. Je vais laisser monsieur Vadré te remettre le prix. Les trois, du coup, il y a trois couleurs. Voilà, donc un des deux autres coups de cœur du club, la 205. Qui a un style voilà, qui se démarque bien de tout ce qui est habituellement vu. Un peu plus sec. C'est T5 qui est juste derrière. Tout ce qui est fourgon, ça l'a toujours été pendant des années, mais c'est vrai que les gens. On aime beaucoup les camping-cars et puis ils aiment beaucoup aussi les véhicules transformés en camping-car pour pouvoir se déplacer, les profiter. Donc David, si tu veux venir avec ta Lotus. Pas mal été modifié. Carbon 15, Bouli Doubleur. Alors, on va voir, oui, c'est ça. Voilà, donc voilà ton trophée. Si tu veux faire la petite photo souvenir. Allez, Nono. L'autre Nono. Du coup, tu avais aimé toi cette voiture? Oui. Et tu reviendras? T'es content de ce week-end, de cette journée? Oui. Alors, j'ai plein d'apprentis, ça, mais vous avez vu, hein, parce que j'essaie en antenne de travailler pour le futur, pour la relève. À tous vous remercier, vous souhaiter un bon retour. Soyez prudents sur la route, parce que ça c'est vraiment dangereux. Il fait beau, donc prenez le temps, et puis on vous dit à très bientôt. Et on remercie une dernière fois Sébastien, monsieur Vabré aussi pour le site, tous les stands qui étaient là, je vais les rappeler. Voilà, Tiffany est autour, Valérien et Tiffany qui étaient juste là, qui ont pu vous vendre des produits.